Salut à tous. Salut, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous emmener à Dodane pour une nouvelle rando qui va surplomber Mafat. C'est parti. Alors aujourd'hui, on est parti sur une randonnée au Cap Noir. Donc ça se situe au niveau de la ville de la Possession dans le nord-ouest de l'île. Et on va voir un joli point de vue normalement sur Mafat. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est que tous les trois. Parce qu'Ethan, il est à l'école. C'est notre première sortie à trois. Donc du coup, on a choisi une randonnée pas trop longue pour qu'on ait le temps d'arriver à l'heure à l'école à 15h30. Voilà. On voit bien la rivière des Galets tout en bas. Bon, on n'a pas Ethan et du coup on vole sur cette rando, c'est cool. Il y a des petits villages en bas. Hein. Régulièrement, toute la journée, on entend les hélicoptères venir dans le cercle de Mafat pour approvisionner ces petits villages, justement, pour les courses, voilà, tout le nécessaire du quotidien. C'est bizarre de te filmer sans personne à porter ou sans personne à tenir la main. Tu vas vachement plus vite que d'habitude. On va finir la rando, il sera 11h, on va pas savoir quoi faire après. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très calme aussi, on n'a pas les ton moulin va trop vite. C'est ça. C'est surtout très très beau. C'est surtout très beau. C'est toujours pas sifflé. Bon, le point négatif quand même de faire cette randonnée sans Ethan, c'est qu'on part plus tard. Et du coup, il y a un peu plus de monde. Et on s'est tapé gavé de bouchons aussi ce matin. Et il nous manque aussi. Il nous manque. Les paysages ressemblent un petit peu à la vidéo qu'on a faite sur les Macs. Mais... on s'en lasse pas. Et là, on va devoir escalader un peu, j'ai l'impression. Bon, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Ça nous avait manqué, les échelles. Attends, moi, j'arrive. Allez, c'est parti. On est pas bien. Ouais, tu regardes maman monter à l'échelle, tu te demandes ce qui se passe là. Il y a une belle vue derrière moi. Allez, c'est au tour de Super Papa. Super Yuna, super bébé. Hop là.
facile. C'est cool. Plein la vue. C'est par là? Ah, si j'ai loupé le passage. Ah, c'est pas là. Ah non, rigole. Alors, tes impressions? Bah, c'est beau, hein, comme d'hab. On a l'impression d'être au bout du monde, quoi. Alors qu'on est sur un territoire français. Ouais, j'ai l'impression d'être dans le film Avatar. Avec la végétation, c'est trop beau. Carrément. Regardez ça. Petite pause désaltérante. Il y a des mouches. On ne s'est pas encombré avec les gros sacs à dos, grosses bouteilles aujourd'hui. On a pris le camel bag. On a pas mal de petites poches un peu partout. Qu'on peut ranger pas mal de choses, des couches, des purées de bébé. Et oui, il y a des randonneurs qui ont ça dans leur camel bag. C'est les randonneurs de famille. Et Yuna, ça va? Elle en profite, elle. Oh, bah, ça va en plus. Oh, ouais, bien là. Bon, alors là, vous voyez des mains courantes sur la paroi. Bon, elles sont pas réellement utiles parce que le chemin est assez large. Mais par contre, ça nous rappelle une belle anecdote de. Bah, c'était notre premier voyage avec Yuna, notre premier voyage à 4. On a failli finir à 3 d'ailleurs, ou à 2 ou à 0. Ou à 2 peut-être. Et en fait on était dans les gorges de l'Ardèche, sur une rando classée difficile quand même. Et il y avait ce genre de main courante, mais par contre il n'y avait pas du tout de sentier. On était vraiment à flanc de falaise, enfin sur la falaise. Donc on n'avait pas passé un très bon moment. Ah regardez, là il y a l'hélicoptère, je sais pas si vous allez le voir. Et il suspend les provisions en fait qu'il apporte au cœur de Mafat. Allez, on enchaîne, je crois, sur la dernière échelle. C'est pas sûr, hein. Allez, c'est parti. Ah, je suis prioritaire, excusez-moi. Ah oui, oui. Et ça grimpe. Tu disais quoi tout à l'heure? Que c'est une randonnée où on peut emmener notre famille. On a des super mamans et des super mamies. Hein. C'est des escaliers. Ouais, enfin avant il y avait quand même des échelles. Et des trubéens. Bon, alors je crois qu'on s'est un peu planté de sentier, mais c'est pas grave. On va essayer de retrouver notre chemin. Heureusement, on a la trace GPS. Et d'ailleurs, si cette randonnée vous intéresse, vous retrouverez la trace GPS dans la description. On fait toujours en sorte de télécharger notre trace GPS avant de partir en balade. Parce que des fois, les sentiers sont plus ou moins balisés. Et c'est un peu une sûreté quand même. Donc, toujours avoir ça sur nous. Ça y est, on a retrouvé notre chemin. Avec une belle vue un peu plus haut. Ça commence à se boucher. C'est là. Et on grimpe? On grimpe. Ça fait 2 mois qu'on est sur l'île, j'ai l'impression qu'on fait que ça, grimper. On est venu pour ça. On a des paysages somptueux des deux côtés.
époustouflant. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ça, c'est hyper excitant. Voilà, tout à l'heure on avait une vue sur Mafat et cette fois-ci on a une vue de l'autre côté, c'est la commune de Dodane. Tout au bout, alors là il commence à y avoir un peu de nuages, mais tout au bout on voit l'océan et la ville du port. C'est ici qu'est arrivée notre voiture il y a déjà 2 mois. Déjà. Ça passe vite hein. Il nous reste plus que 22 mois ici. Oh, le stress monte là. Bon bah on continue notre rando pour pas perdre de temps hein. On vous disait que à La Réunion les nuages arrivent rapidement. On était là il y a 2 minutes, on avait une belle vue sur Dodane. Et maintenant, on a une belle vue sur les nuages. Les nuages. C'est beau hein. C'est beau. Heureusement que c'est la fin de la randonnée et qu'on a eu un beau temps jusque là et qu'on a pu tout apprécier. Parce que waouh, c'est beau hein. Bon bah je propose qu'on continue notre route parce qu'il n'y a plus rien à voir. Ça, de l'autre côté c'est hyper dégagé en plus. Ouais. Allez on va voir. Voilà, la rando se termine. On a parcouru les un peu plus de 3 km il me semble. En 1h30 avec des petites pauses pour filmer, pour prendre des photos. Donc c'était vraiment une chouette randonnée. Plutôt accessible, alors peut-être pas quand on a des jeunes enfants parce qu'il y a quand même des les échelles et des petits endroits qui sont un petit peu compliqués, mais en vrai ça se fait. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut, salut.